Masechet Kiddushin, Daftet Zayin, feuille numéro 16. Nous sommes à la cinquième ligne. Ubishtar, on a vu dans la Mishnah que le serviteur hébreu est acquis également par un acte écrit. Minalan, d'où le sait-on, demande la Gemara. Maroula, ou l'a dit à Markra, parce que le verset dit dans l'Exode, Imacheret Ikarlo, si une autre, il prendra pour lui, Kisha Hakatoub la Heret. Donc la servante hébreu a été juxtaposée à une autre, c'est-à-dire celle qui est acquise comme épouse. Ma'heret mekania bishtar, de manière que l'autre, elle est acquise par un acte écrit. Af amaivria mekania bishtar. De même, la servante hébreu est acquise par un acte écrit. Alors la Gemara demande, anir halma de bishtar amaivria adon kotfo. Ça va bien d'après celui qui pense que la servante hébreu, c'est son maître qui écrit l'acte d'acquisition, et l'allemand de ma av kodvo. Mais d'après celui qui dit que c'est le père qui écrit, maïkanemema, qu'est-ce que on va dire, puisque ça ne ressemble pas du tout au cas de l'acte écrit dans le cadre d'un mariage, puisque c'est le mari qui écrit, donc c'est l'acquéreur, alors qu'ici c'est celui qui fait acquérir. Les hitma, parce que nous avons vu donc un enseignement, shtarama evriya, qui dit, l'acte écrit d'acquisition d'une servante hébreu, mi kotvo, qui est-ce qui doit l'écrire? Ravuna ama adon kotvo. Ravuna dit, c'est le maître qui l'écrit. Ravrizda ama av kotvo. Ravrizda dit, c'est le père qui l'écrit. Anichale Ravuna. Donc ça va bien d'après Ravuna. Et là, Ravrizda ama ikalemima. Mais d'après Ravrizda, qu'est-ce qu'on va dire? Ama Ravachabayakov dit, ama kha. Parce qu'il y a un verset dans l'Exode qui dit, l'otetsek etc. Abadim. La servante hébreu ne sortira pas comme les serviteurs. Par contre, on en déduit qu'elle est acquise comme l'acquisition des serviteurs. Et de quoi s'agit-il? Shtar, c'est l'acte écrit. La Gemara dit peut-être, on vient de nous apprendre qu'elle est acquise comme les serviteurs, c'est-à-dire par le fait que le propriétaire montre sa propriété dessus. Dans le verset 18, concernant les esclaves cananéens dans le Lévitique, et vous voulez faire hériter à vos enfants après vous, otam bechazaka velo aher bechazaka. Donc c'est seulement eux qui peuvent être acquis par le fait de montrer sa propriété, mais pas les autres, c'est-à-dire pas le serviteur hébreu. Pourquoi on ne dirait pas que ce sont seulement les esclaves cananéens qui sont acquis par l'acte écrit et pas les serviteurs hébreux? Non, parce que là-dessus, on apprend du fait qu'il est écrit pour la servante hébreu qu'elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs, pour nous dire qu'elle est acquise comme les serviteurs. Ou Maraït, mais qui te dit qu'on apprend plutôt de ce verset plutôt que de l'autre? C'est parce que il est plus logique de dire qu'on inclut l'acquisition par l'acte écrit, puisque l'acte écrit permet de divorcer d'une fille d'Israël. Alors, on dit, mais non, au contraire, on n'a qu'à dire qu'on vient inclure ici le fait de montrer sa propriété, puisque c'est considéré comme un acte d'acquisition pour les biens d'un converti qui est mort sans héritier. Mais il chute bien de l'Ashkecha. La Gemara répond, oui, mais concernant les liens matrimoniaux, on ne trouve pas cette sorte d'acquisition. Iba et Tema, ou si tu veux, on peut dire la ri ane imaheret. Que pour cela, on utilise le verset si une autre, on avait rapporté auparavant, qui vient bien montrer qu'elle est acquise comme une femme qui est acquise par lien du mariage, c'est-à-dire par acte écrit. Ravuna, qu'est-ce qu'il apprend donc de ce verset? Elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs. Lui, il utilise pour dire que la servante hébreu ne sort pas lorsque le maître lui a brisé
les extrémités des membres, comme le serviteur cananéen. Rav Chisda, hein, alors que Rav Chisda lui dit, quel est le Tetzeka Avadim? Si le verset était venu que pour un seul enseignement, il aurait pu dire qu'elle ne sortira pas comme les serviteurs. Maïket set Avadim. Pourquoi c'est écrit comme sortent les serviteurs? Je suis pas tarté. Donc de là, on apprend les deux enseignements dont on a parlé. On a dit dans la Mishnah que le serviteur hébreu peut s'acquérir lui-même, c'est-à-dire se libérer au bout du nombre d'années, c'est-à-dire au bout de 6 ans d'irtiv, comme il est écrit, dit la Gemara, dans l'exode chez Shanim et Ravol, 6 années il travaillera, au bas chez Verit, et la 7e année, Vegomer, etc., il sortira. Bayovel, on a vu dans la Mishnah que le serviteur hébreu sort à l'année du jubilé d'irtiv, parce qu'il est écrit, dit la Gemara, dans le Levitique, Achnat Hayovel et Avodaymar. Jusqu'à l'année du jubilé, il travaillera avec toi. Mais Geraon Kesef, on a vu dans le Mishnah qu'il peut également se libérer en rachetant la valeur du travail, en envoyant le travail qu'il a déjà effectué. Amar Heskia, Heskia dit d'Amakra, parce que le verset dit dans l'Exode, Ve Hevda, et il l'a rachètera. Mais la maître Shemegaria Pidiona Veyotsa. De là, on apprend que le maître retirera du montant du rachat le travail qu'elle aura fait et ainsi elle pourra être libérée. Tana, il y a une vraie qui dit qu'on est à Tsmo Bekesef ou Bekesef. Il peut s'acquérir lui-même, donc se libérer avec de l'argent ou avec quelque chose qui a une valeur d'argent, ou Bishtar, ou avec un acte écrit. Bishtama Kesef, on comprend l'argent d'Irti, puisqu'il est écrit dans Lévitique, mi Kesef Miktato, de l'argent de son acquisition. Shavé Kesef Nami. De même, pour ce qui est une valeur argent aussi, on l'apprend du verset dans Lévitique qui dit Yashiv Gihulato, il rapportera l'argent de son rachat. Amara Chavana, ainsi a parlé la Torah, les rabots Shavé Kesef que Kesef, ça c'est pour inclure ce qui a une valeur argent, pour dire que c'est comme de l'argent. La Ishtar écrit d'ami. Mais l'acte écrit dont on parle ici, de quoi on parle, il est malékatav l'Ishtarad, mais si ça veut dire qu'il lui écrit un acte sur sa valeur d'argent, et ça deviendra une dette, un oukesef. Alors, ça revient à, au rachat avec de l'argent. Et là, shirour. Alors ici, on parle d'acte de libération. Je t'en ai dit, mais pourquoi on a besoin d'un acte écrit? Les maléba pétré, il peut dire devant deux témoin, zil, tu t'en vas. Inami va pebedina, ou bien devant un tribunal composé de trois, zil sort. Amaravazat omeret aved aivri gufo kanoui. Ravadid là, on apprend que le serviteur hébreu, son corps est acquis au maître. Veharav shemachal al gironu. Et c'est pourquoi, si le maître cède sur le paiement du rachat, et le machoud ne peut pas, puisqu'on en a besoin pour qu'il fasse acquisition de lui-même. Et Teralavama Ivria, la Mishnah disait que la servante hébreu, elle a un mode pour se racheter en plus que le serviteur hébreu. Amar Eshakish, Amar Ivria, Kona et Ratzma, Bimitat Ha'av. Eshakish dit, le serviteur hébreu peut s'acquérir elle-même par la mort de son père, Mirshut Adon, pour sortir de la propriété du maître. Mikal Vachomer, en utilisant un argument a fortiori. Ma simanim shen motzi in Mirshut Av, motzi in Mirshut Adon. Si déjà, les signes de la puberté qui ne permettent pas à la fille de sortir de la propriété du père, ils lui permettent de sortir de la propriété du maître. Mitash imotzia mirshut av. La mort du père qui lui permet de sortir mirshut av de la propriété du père, et nous dit shimotzia mirshut adon, a plus forte raison qu'elle lui permettra de sortir de la propriété du maître. Tivir avoshaya. Sur avoshaya objecte à partir de notre Mishnah qui dit tera lavama evria, je connais un certain nombre de simanim. Que la servante hébreu a un mode pour se libérer en plus du serviteur hébreu,
puisqu'elle est libre par les signes de la puberté. Veimita. Si on considère que ce qu'a dit Reish Lakish est juste, Nitne Nami Mitata'av. La Mishnah aurait dû dire également par la mort du père. Et la Gemara répond Tana Veshir. La Mishnah a enseigné un cas et a laissé un cas. Maïshir Daïshir. Mais quel autre cas qu'elle a laissé pour dire que celui-là a été laissé de côté? Puisque, au minimum, on en laisse deux, mais pas un. La Gemara dit Shir Mitata Adon. On a omis de dire également la mort du maître qui permet de sortir de la propriété du maître. La Gemara dit, si c'est la mort du maître, ça ne s'appelle pas qu'on a laissé, qu'on n'a pas parlé. Parce qu'étant donné que ça constitue une manière de sortir de la propriété du maître également pour l'homme, l'okatanit, c'est pourquoi on n'en a pas parlé. Puisqu'on n'a parlé que de ce que la femme, servante hébreu, a en plus de l'homme. Mais alors à ce moment-là, la question revient, pourquoi alors on n'a pas enseigné le fait qu'elle sort par la mort du père? Parce que l'auteur de la Mishnah a parlé que de ce qui est fixe. On sait à quel moment ça viendra. Ce qui n'est pas fixe, on ne sait pas quand ça viendra. L'okatani, on n'en parle pas. La grande dit, mais les signes de la puberté, ils n'ont pas un temps fixe. Et on les a quand même enseignés. Amarav Safra, Enem Kizba, les Marla. Amarav Safra dit, ils n'ont pas de temps fixe maximal. Avaleshtem Kizba, les Mata. Mais ils ont un temps fixe minimal. D'Etania, puisqu'il marque dans le Maritam. Tishashanim Shevishte Sarot. Un garçon âgé de 9 ans qui a eu les deux poils, Shuma, c'est considéré comme les poils d'une verrue et non pas comme les signes de la puberté. Bien Tishashanim Yomechad Albenul Betchana. Si ils ont apparu entre l'âge de 9 ans et un jour et l'âge de 12 ans, Veyomechad et un jour, Verodanbo, et ils sont encore là au moment où il atteint l'âge de 13 ans et un jour, Shuma, c'est quand même considéré comme provenant d'une verrue et non pas comme les signes de la puberté. Rabbi Sibir Rabbi Omer, Siman. Alors que Rabbi Sibir Rabbi Da, lui, considère que c'est un signe de la puberté. Benul Gimeshalab Yomechad, si le garçon avait atteint l'âge de 13 ans et un jour, livré à Kol Siman, après tout le monde, c'est un signe de la puberté. Rav Shechet objecte à l'avis de Reish Lakish, que nous avons vu auparavant, qui disait que un servant hébreu est libéré par la mort de son père, en disant voilà qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Arba ma'anikim lahem, il y a quatre types de serviteurs qui reçoivent le pécule de sortie. Gimel Beish ou Gimel Beisha. Trois, on en trouve chez l'homme et trois chez la femme. Viatei Romalma Arba Bechad. Mais il est impossible qu'il y en ait quatre pour l'un ou pour l'autre. Le Fichen Simanim Beish. Parce que l'homme ne sort pas avec les signes de la puberté. Venretsira Beisha. Et la femme ne reçoit pas le poinçon à l'oreille. Vehuita. Si la vie de Reish Lakish est juste, on aurait rajouté la mort du père qui permet à la femme de sortir et pas à l'homme. Tu vas répondre, oui, ici aussi, on a enseigné des cas, mais on en a laissé d'autres. Oui, mais c'est écrit 4. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus. Alors tu vas répondre que on a enseigné uniquement ce qui a une date précise, mais ce qui n'a pas de date précise, on ne l'a pas enseigné. Pourtant, les signes de la puberté n'ont pas une date précise, mais katani, et on les a enseignés. Tu vas répondre, oui, mais là aussi, on peut répondre comme a dit Rav Safra, auparavant, qu'il n'y a pas de date maximale, mais une date minimale. Voilà qu'il y a la mort du maître, qui est quelque chose qui n'est pas daté. Vekatani, on l'a enseigné. La Gemara répond, Mitatadon Ami Lokatani. Non, en vérité,
la mort du maître aussi, on n'en a pas parlé. Velarba Amaynihu, c'est quoi les 4 cas? Shanim, quand il sort au bout de 6 ans. Veyovel, quand il sort au jubilé. Veyovel Shel Retzira, quand il sort au jubilé après qu'on lui ait poinçonné l'oreille. Verma Evria Bessimanim, et pour la servante hébreu, les signes de la puberté. Chanamim Stabra, d'ailleurs, c'est logique de répondre ainsi, les Katanis Seifa, parce que la suite de la Braïta dit, était Ronomaraba Abechan Mehem, que on ne peut pas trouver 4 dans l'un des deux, l'homme ou la femme, Fishen Simanim Beish, Benretzira Beisha, parce que les signes de la puberté ne permettent pas à l'homme de sortir, ni il n'y a pas de poinçonnement de l'oreille pour la femme. Femita Beisha Miyamishkahat Larba, mais si on dit que on prend en compte également la mort du maître, alors chez la femme aussi, on pourrait trouver 4. Chez Barmina, c'est donc bien qu'on n'en tient pas compte. Motif Ravamram. Ravamram apporte une objection, toujours à Reish Lakish. Velum Arnikim Lahem. Voici ceux qui reçoivent le pécule de sortie. Ayotse Beshanim, celui qui sort au bout de 6 ans, Beyovel, ou au jubilé, ou Mitata Adon, ou à la mort du maître. Vama Evria, et la servante hébreu, Bessimanim, lorsqu'elle sort, à cause des signes de la puberté. Veimita, or si l'avis de Reish Lakish est juste, dit la Mitata Av, on devrait aussi dire lorsqu'elle sort parce que le père est mort. Prité matin avait chier. Tu vas répondre, oui, ben, on a enseigné les 4 puis on en a laissé d'autres. Va, et l'oukatani, c'est marqué cela. Prité matin avait chier, l'oukis, bakatani, l'oukis, l'oukis, l'oukatani. Et si tu vas me dire que on a enseigné que ce qui a une date fixe et ce qui n'a pas de date fixe, on ne l'a pas enseigné. Va, si manim, yanaim, kizba, bakatani. Voilà que les signes de la puberté ont pas de date fixe, on les a quand même enseignés. Prité matin avait chier, Rav Safra. Tu vas dire qu'on peut répondre toujours comme Rav Safra. Avec Amitatadon, il y a la mort du maître qui n'a pas de date fixe. Tufta de Reish Lakish, tufta. Donc Reish Lakish a été repoussé et l'objection est valable. Veha Reish Lakish, Kalva Chomer Amar. La Gemara demande, mais pourtant Reish Lakish, il a rapporté un argument fortiori pour son opinion. Kalva Chomer Prichari. Seulement cet argument fortiori, il peut être repoussé. Je me décale, mes frères. Parce qu'on peut rétorquer en disant, Malim Simanim Shinishtane Hagouf, que les signes de la puberté ont ceci de particulier, que c'est un changement corporel. C'est pourquoi ils permettent de sortir en liberté. Thomas Bumitat Av, alors que ce n'est pas le cas pour la mort du père, Shekan Nishtane Hagouf, car son corps à elle ne s'est pas modifié. Il y a une braïta qui dit le pécule de sortie qu'on donne au serviteur hébreu, il est pour lui. Et le pécule de sortie qu'on donne à la servante hébreu est pour elle. Il y a une autre braïta qui dit le pécule qu'on donne pour la sortie de la servante hébreu, ainsi que ce qu'elle trouve comme objet, l'avia, c'est pour son père. Ben Rabba, il sera batala bilvad. Le maître n'aura là-dessus que le remboursement du fait qu'elle n'a pas travaillé le temps de chercher cet objet. My love, adnavka bisimani, adnavka la bimetatav. N'est-ce pas que on résout cette contradiction en disant que dans le cas où le pécule n'est pas pour elle, c'est parce qu'elle est sortie grâce au signe de la puberté, mais le père est vivant. C'est pour ça que c'est au père. Et dans l'autre cas, où le pécule est pour elle, c'est parce qu'elle sort au moment de la mort du père. Et donc il n'y a plus de père pour recevoir, et donc ça lui revient à elle. Et donc, on a une preuve ici pour la vie de Reish Lakish. L'eau, la croix dit non, pas du tout. Il dit, Védine, Nefkanade, Bissimanim. Les deux enseignements parlent du cas où elle sort parce qu'elle a les signes de la puberté. Mais la kashia, il n'y a pas de contradiction. Adelitel et Av, dans un cas, le père est en vie, c'est pourquoi c'est au père. Adelitel et Av, dans l'autre cas, le père n'est pas en vie, c'est pour ça que c'est pour elle. Mishama anaka evri, ama evri, yale atzma. Alors, on comprend qu'on est venu nous enseigner que le pécule
de la servante hébreu est pour elle le numéro Théarin, pour dire même si le père est mort, mais ça ne reviendra pas aux frères qui sont les héritiers. Et Tania, comme c'est marqué dans une braïta, et vous les ferez hériter eux à vos fils après vous. On parle des esclaves cananéens. Donc seulement eux, les esclaves cananéens, sont hérités par vos fils, mais pas ce que produit vos filles n'ira pas aux fils. De là, on apprend que un homme ne peut pas faire hériter du droit qu'il a concernant sa fille à son fils. Et là, Anak, mais qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire que le pécule du serviteur hébreu est pour lui? C'est évident. Et là, les mal à qui il serait? Amar Yosef, Yud Karat, Kahazina Acha. Amar Yosef dit, on trouve ici la lettre Yud, qui est une petite lettre, dont on a fait une grande cité. C'est ça que je vois ici dans cette baraita. Ça veut dire que, effectivement, cet enseignement-là a été dit sans qu'on apprenne quelque chose. C'est simplement, la baraita a voulu parler plus longuement de ce sujet. Abaye lui dit ainsi à dire Rav Sheshet. Hamani Toutaihi. L'auteur de cette baraita, c'est qui? C'est un maître appelé Toutaihi. Netanya, parce qu'il y a une baraita qui dit, tout à l'heure Omer, tout à l'heure dit, l'eau, mais l'eau le balchovo, que, comme c'est marqué dans la Torah le terme pour lui, concernant le pécule, on apprend que il ne va pas pour son créancier. Et c'est ça qu'on vient de nous apprendre dans cette baraita. Goufal, on reprend l'enseignement qu'on a vu auparavant, et nous marnikim lahem. Voici ceux qui reçoivent le pécule de sortie. Ayotse Beshanim, celui qui sort en liberté au bout de 6 ans, au Beyovel, ou au Jubilé, ou Mitatadon, ou à la mort du maître. Vama Evria Besimanim, et la servante hébreu, grâce au signe de la puberté. Aval Borer Beyotse Begeran Kesef en Marnikimlo. Par contre, celui qui s'enfuit, ou celui qui sort en liberté parce qu'il s'est racheté avec de l'argent, cela ne reçoit ne reçoivent pas le pécule. Rabbi Meir Robert Boré Achen Marnikimlo. Rabbi Meir dit, celui qui s'est enfui, il ne reçoit pas le pécule. Viotse Begaron, qu'est-ce que Marnikimlo? Mais celui qui s'est racheté avec de l'argent reçoit le pécule. Rabbi Shimon Omer Abba Marnikim Lahem. Rabbi Shimon dit, il y a 4 cas où on reçoit le pécule. Shlosha Beish ou Shlosha Beisha. 3 chez l'homme, 3 chez la femme. Viotse Cholomar Abba Abechan Mehem. C'est impossible qu'il y en ait 4 pour l'un d'entre eux. Le fiche En Simanim Beish. Parce que pour l'homme, il n'y a pas de possibilité d'être affranchi lorsqu'il a les signes de puberté. Ou retient Beisha et qu'il n'y a pas de règle de poinçonner l'oreille pour la fin. Minanimile, d'où sait-on cela? Cet enseignement de la Braïta, Zanou Rabbanan. C'est une Braïta qui dit Choloyou Manikimela Leyotse Bechesh. J'aurais pu croire que on ne donne le pécule qu'à celui qui sort au bout de 6 ans, puisque c'est de ça que le verset parle. Maintenant, il rabote au Tsebeyovel ou Mitata Adon. D'où sait-on qu'on inclut également celui qui sort au jubilé ou à la mort du maître, Verma Evri Avesimanim, et la servante hébreu lorsqu'elle a les signes de la puberté. C'est pourquoi le verset dit dans le Deutéronome concernant ce pécule, Te Shalehenu, tu le renverras à lui. Verite Shalehenu, et lorsque tu le renverras à lui, c'est pour inclure ces 2 cas-là. J'aurais pu croire qu'on inclut également celui qui s'enfuit et celui qui se rachète avec de l'argent. C'est pourquoi le verset dit, lorsque tu le renverras en liberté de chez toi, c'est celui qui est renvoyé par toi. On exclut donc celui qui s'enfuit ou celui qui s'est racheté en payant de l'argent, car ils n'ont pas été renvoyés par toi, mais par eux-mêmes. Rabbi Meir lui dit, celui qui s'enfuit ne reçoit pas le pécule parce qu'il n'est pas renvoyé par toi. Par contre, celui qui sort avec en payant de l'argent pour son rachat, lui, il est renvoyé par toi.
Puisque le maître participe en déduisant le travail qu'il a déjà effectué. Et donc c'est pourquoi il reçoit le pécule. La Gemara dit Boréa Hashlama, bah, mais celui qui s'enfuit, bien sûr qu'il ne reçoit pas le pécule, puisqu'il doit travailler le temps qu'il n'a pas travaillé. Et Tania, c'est marqué dans le Gemara, et Boréa Hashlama, et Hashlama, nous sait-on que celui qui s'enfuit doit rattraper. Pourquoi le verset dit dans l'Exode 6 années il travaillera, le serviteur est prévu. J'aurais vu quand même s'il est tombé malade. C'est pourquoi le verset dit à la 7e année il sortira. Amar Rav Sheshet. Alors Rav Sheshet répond on parle d'un cas où il s'est enfui et ensuite l'année du jubilé est arrivée. Bah où le témoin il va piquer Yovel. J'aurais pu croire qu'étant donné que de toute façon, il sort au jubilé, donc ça s'appelle qu'il a été renvoyé par toi. Et donc, on ne va pas le sanctionner et il va recevoir le pécule. Kamash Pelin, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. C'est la fin de l'étude du Daf Tetzayin de la feuille numéro 16.